Salut mes Nakama, c'est Doug, bienvenue pour cette deuxième partie de la réaction live de ce chapitre de malade qui est le 812. Ce qui m'énerve, c'est que j'étais autant stressé par le temps de faire la vidéo à cause de ces putains de 15 minutes que par l'effet bombe carrément de l'annonce de Senji qui va être un mariage et qui va devenir le gendre de Big Mom. C'est un truc qui est complètement what the fuck, c'est dingue, franchement, il n'y a que Ichiro Oda pour encore une fois nous amener autre part. Je me doutais qu'ils allaient partir dans le Tea Party, mais qu'il va y avoir le mariage. Ichiro Oda nous avait dit, vous allez voir, ça va être une grosse année pour Senji, mais je pensais pas qu'on allait avoir la formation comme ça, brute comme ça, en ce début d'année. C'est un truc qui est complètement de malade. J'y reviens toujours pas, je suis encore sur le cuisse, c'est vraiment un truc de dingue. Alors oui, c'est vrai, je suis pas aussi expressif que d'autres youtubeurs à faire des ah, c'est complètement malade, c'est dingue, c'est beaucoup intérieur, c'est mais je suis sur le cul. Déjà rien que Pécom qui se fait latter la gueule par Capone, ça m'a franchement défoncé l'anus en mode chili, hot chili. Mais là de le voir. Alors maintenant c'est quoi la suite? C'est un, je sais vraiment pas, j'ai le cerveau mais qui est totalement en vrille, j'ai les idées qui se bousculent dans la tête, je ne vous raconte ça. Par contre pour moi c'est le pur rêve, c'est à dire que là on va pouvoir spéculer comme des gros fils de pute, ça va être vraiment excellent. C'est vraiment le, là j'ai vraiment le ressenti qui est plus à l'intérieur. Je veux dire, à l'intérieur il y a plein de petits mois, il y a plein de petits lodocs qui sont en train de faire la fête, qui sont en train de déboucher le champagne, en train de faire putain c'est complètement génial et tout. C'est un truc de dingue. J'ai un putain de sourire sur la bouche parce que franchement c'est cool, je m'attendais à quelque chose, mais un truc comme ça, c'est dingue. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose avec le Tea Party, parce qu'on nous annonçait le Tea Party, mais là, un putain de mariage, mais c'est complètement what the fuck. À la rigueur, j'avais pensé à une théorie complètement folle, que Senji serait peut-être le fils, à la rigueur, de Big Mom, mais je me suis dit non, c'est trop what the fuck, mais là, il va carrément devenir son gendre. C'est un truc de malade. Alors forcément, vu comme ça, ça paraît dingue parce que Senji va accepter, il va signer, il va faire la lettre justement en disant je quitte l'équipage, je vais me marier et tout ça, vous inquiétez pas, tout va bien aller, et puis quand je serai marié je pourrai revenir. Et la lettre telle qu'elle est lue pour Zoro et Zoro et Luffy, c'est sûr qu'ils ont dit putain quand ils ont lu la lettre, ouais je vais me marier avec la fille de Big Mom. C'est du gros n'importe quoi. Tu m'étonnes qu'ils s'en foutaient totalement, qu'ils n'arrivaient pas à prendre conscience du problème. Parce que elle, Nami, elle le sait, Brooke aussi le sait, puis Chopper aussi, eux, ils étaient présents et tout ça, donc ils ont vu le gros malade. Donc ouais, c'est totalement... Et maintenant, mais qu'est-ce que va faire Luffy quand il va vraiment se rendre compte que là, il a peut-être perdu son pote? Il va se dire, bon allez, on va y latter la gueule. Ils vont arriver en plein mariage, mais en truc complètement malade. Ah franchement, je sens que cette année va être vraiment, vraiment excellente. Ah, je vais prendre du plaisir vraiment à faire les réactions live ou alors les critiques d'analyse. Bref, là, il y a plein de choses qui sont dans la... J'ai des crampes derrière la tête tellement je suis pété de rire. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Donc ouais, franchement, du très, 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 très bon. On commence l'année, mais c'est génial. Je suis heureux de mettre... Je suis heureux de d'autant aimer One Piece, vous imaginez même pas là. Mais il y a encore plein de trucs qui arrivent, il y a la guerre avec Kaido, il y a le gros problème. Oh, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. C'est ce gros mongol de Luffy, il va appeler les mecs de la flotte, ils vont dire allez, on va aller s'inviter au mariage de Big Mom, puis on va foutre le délire ou quoi que ce soit. Ça, j'imagine bien un truc comme ça, c'est... Oh là 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 là. Bon, enfin bref, voilà. Je vais terminer là-dessus parce que je pense qu'Capone, quand même, il est quand même assez que ça. Très très fourbe. Je le vois bien comme un Teach. Un Teach 2.0. Ce mec-là, vraiment fourbe, il pense qu'à sa gueule et il est capable de tout. Ça pourrait être vraiment bon. Et Pécom, par contre, maintenant, savoir qu'est-ce qu'il va devenir, lui. Parce que là, il est pas mal blessé. Donc, je pense pas qu'il est revenu avec Capone. Et il va pas avoir. Je pense pas qu'il soit mort. C'est impossible qu'il soit mort. Il va être guéri. Et peut-être qu'il va s'allier un tout petit peu pendant quelques moments avec l'équipage du Mugiwara pour justement retourner au mariage puis aller latter la gueule à Capone. Ça va faire un truc, mais un truc de dingue. Voilà, bon, on va s'arrêter là-dessus. Je vais faire une réaction live, enfin, je vais faire une critique analyse. Par contre, le temps que je recherche tout ça, puis la fin de semaine va être
peut-être pas mal prise. Peut-être que je ferai la réaction live que peut-être que pour le lundi. On va voir ça comme ça. Donc le temps que ça se repose bien, puis qu'il y a le temps de réfléchir. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des commentaires, laisser des pouces, laisser des commentaires, laisser ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Profitez de votre fin de semaine, délirez. Et nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures One Piece. Voilà, allez, tchuss, salut les gars.